l'automne 1944, on assigna à la première armée canadienne une tâche laborieuse, déloger les troupes d'Hitler des deux rives de l'estuaire de l'Escaut entre la Belgique et la Hollande. Cela devait permettre aux navires de ravitaillement alliés d'entrer dans le port d'Anvers. Les volontaires canadiens ont dû se battre en dépit de tout. L'infanterie a donné l'assaut dans des champs inondés, à terrain découvert, contre un ennemi bien à l'abri et ayant reçu l'ordre de lutter jusqu'à la mort. En un seul jour, un bataillon du régiment canadien Black Watch a pratiquement été décimé. Cliff Chatterton était parmi les Canadiens désignés pour franchir le canal Léopold, se diriger vers le nord et éliminer les batteries de canons le long de la côte. Il a perdu une jambe à la suite d'une attaque à la grenade. Le feu nourri des Allemands était intense. Approximativement la moitié des hommes qui étaient montés à bord des embarcations franchirent le canal. Cependant, ceux qui s'y rendirent parvinrent à grimper la pente et capturer les places allemandes qui se trouvaient à l'autre bout. Leur objectif final était de traverser une étroite chaussée sous les tirs intenses et d'établir une tête de pont sur l'île de Walcheren, dernière forteresse de l'ennemi. Aujourd'hui, c'est une route moderne. À l'époque, elle était jonchée de morts et de blessés. Mais cette route a marqué une page de l'histoire du Canada. Ouvrir la voie navigable pour donner accès au port d'Anvers constituait une étape capitale pour la libération du nord-ouest de l'Europe. La bataille de l'Escaut a duré 2 mois et a fait plus de 6 000 victimes canadiennes.